Des secteurs où il manque de main-d'œuvre, on en connaît tous. Mais ce qui est peut-être un peu moins visible, c'est dans le monde de l'aviation. Le manque de pilotes se fait grandement sentir. Marc-Antoine, le recrutement est encore difficile. Oui, voilà, Véronique, ce n'est pas pour rien qu'on parle d'une pénurie sans précédent dans le milieu de l'aviation, que ce soit le nombre de pilotes, mais également des mécaniciens, techniciens aéronautiques ou même des agentes, agents de bord. Je vous fais état des récentes données, là, en fait, il y a quelques mois, parues donc par la firme Brink. On parle de 12 000 mécaniciens manquants en ce moment, ce qui représente tout de même 14 % de la main-d'œuvre. Quant au nombre de pilotes d'avion, la pénurie pourrait atteindre un sommet d'ici 2026 avec 24 000 postes à pourvoir en Amérique du Nord. Et tout ça arrive à un moment particulier où, sur les bancs d'école, les classes ne sont pas si remplies que ça, Véronique. Je me suis entretenu avec plusieurs intervenants dans le milieu. On parle de classes remplies à 50, 60, 70 %, mais ce n'est clairement pas assez pour combler la pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Alors, on tente d'attirer des jeunes. C'est ce que tente de faire le groupe Chrono Aviation. On se trouve aujourd'hui à l'aéroport de Saint-Hubert, porte ouverte où des jeunes peuvent faire la visite d'Aéronerf. On s'est entretenu avec quelques-uns d'entre eux, également des intervenants, dont un jeune pilote en devenir, parce qu'il en faudra, Véronique, d'ici les prochaines années. Écoutons. Ce milieu-là m'intéressait avant un peu la pénurie personnelle, mais c'est sûr que là, vu qu'il manque des personnes, là, ça m'intéresse encore plus, puis je suis vraiment intéressé par ça. On a souvent l'impression que devenir pilote, c'est compliqué, devenir agent de bord, c'est compliqué. Alors, ce qu'on essaie de démocratiser aujourd'hui, c'est le fait qu'on peut prendre n'importe qui et le transformer en agent de bord en 7 semaines, ici même, à l'intérieur de l'entreprise. C'est vrai que ça coûte cher devenir pilote. Ça coûte aujourd'hui entre 50 et 60 000 $ mais jamais depuis les 30 dernières années, il y a eu un meilleur moment qu'aujourd'hui pour devenir pilote. Il y a une forte demande, voire même une augmentation de la population étudiante post-pandémie. Évidemment, avec la pandémie, ça l'a diminué, mais c'est 38 000 postes qui sont à pourvoir dans le domaine de l'aéronautique dans les 10 prochaines années. Évidemment, les conséquences sont importantes sur le système aérien avec tout ça. Alors, il y aura un travail de planification, de recrutement également très important d'ici les prochaines années. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Au revoir.